Mesdames, Messieurs, et bien ensemble, et bien avocats qui regroupent ensemble dans divers barreaux et bien dans le pays, et ils prennent la rue pour capable et bien demander et bien justice, pour capable, mesdames, messieurs, et faire une façon là pour râler les oreilles de la justice, pour capable pour façon pour et bien, mesdames, messieurs, vivre et pilier en dehors du pays en tant qu'avocat. Là, nous, ensemble avec vous, nous avons remarqué qu'il y a demandé eh bien, sécurité, il y a demandé justice et par rapport eh bien, avec le confrère, les amis eh bien, qui étaient tombés dans le jour qui s'est passé. Étant donné que M. Dorval, c'est ancien bateau, il est lui-même, il était mouru dans le jour qui s'est passé. Il est lui-même tout, mesdames, messieurs, il y a demandé justice. Pour Justice, 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 justice
Nous là, nous voulons que ce pays doit changer. Nous pouvons rester dans la sécurité. Nous voulons vivre ce pays. Nous voulons la liberté. Nous voulons la sécurité. Nous voulons la justice pour Savane. Nous voulons la justice pour la Suisse. Pour le pays. Comme vous voulez, pour que ta voix soit libérée. Et nous faisons ça que nous-mêmes, nous pouvons pas avoir des arômes qui regroupent tout le barreau. Dans le pays, dans le pays, nous besoin que ce pays doit changer. Nous voulons la sécurité, nous voulons l'impunité, nous ne voulons pas la corruption. Et vous avez raison, nous sommes ici présents pour lutter contre tout ce, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est mauvais dans le pays. Et ça fait que nous-mêmes là, avocats, nous avons l'impunité pour le pays à changer dans ce sens. Ok. Et moi, c'est Maître Profil, Jean-Claudel, votre parole de jamais, c'est mon avocat. C'est moi qui étais hier à la Radio Caraïbe pour annoncer cette marche dans l'objectif de demander sécurité, non seulement pour les avocats et pour vous comme journalistes, pour le peuple général. Je ne vais pas mettre nous dans une situation où tout le monde a fait visa pour le Brésil, où tout le monde a fait visa pour le passeport, pour le Saint-Domingue. Nous ne sommes pas marrons pour les gens. Pas négro pour responsabilité. Ariel Henry pour responsabilité. Avocat baka victime. Si tout avocat qui te paye, ya, et peuple, on va te payer nous-mêmes. Et nous devons violer. Qu'est-ce qu'il y a de pour nous? Nous ne pouvons pas prendre pour ça. Jamais c'est mon avocat. Je ne pas prendre pour ça. Voir des avocats. Je ne pas prendre pour ça. Nous ne pas prendre pour ça. C'est peut-être confusion, madame. La brigade de la commissaire de la justice. Nous sommes en train de nous faire. Qui est ça prêlé? C'est peut-être ça matin. Nous promettons pour nous aller justice, justice, justice pour mettre normal, justice pour mettre plus. Ma petite praticien, parce que nous sommes jeunes qui sont aspirants à avocats, je veux dire, c'est ça, au patron. Je veux dire, ces praticiens-là, ce n'est pas militant. Demain, je veux dire, nous profiter de la justice pour mettre fuite, parce que je veux dire, ces praticiens en droit, là. 4 militaires, on aspire à un avocat qui l'a. 4 militaires, c'est pas militant, c'est ça qui fait ça. Ça, douleur, la justice, ça, justice, ça, douleur. Bon, c'est pas la justice qui a demandé justice, c'est un regroupe avocat qui a demandé justice. De même, Thierry qui est praticien, qui a demandé justice pour mettre Fritz à l'éternel comme petite troisième circonscription. Comme on monte dans le barreau pour aller bouquer. Et ça fait tout avocat, qui, quel que soit le barreau dans 18 juridictions, qui l'a, je dis. Je dis à ma prédit, c'est pas militant politique qui l'a. Je veux dire, c'est homme de droit qui l'a. Et ça que ma bataille, chaque grain confrère, mais on a bataille dans le pays. Et ça que nous avons demandé sécurité, nous avons demandé projet à l'hôpital, nous avons demandé santé pour toute population haïtienne. Justice tout pour les journalistes qui tombent, deux journalistes qui tombent. La bataille, c'est que nous tout profiter de demander justice. Je veux dire, ma prédile, c'est pas Thierry là, non, c'est Maître Benjamin là. Je veux dire, c'est que nous tout profiter de demander justice pour ça. Le conseil de Jasma, jamais sans mon avocat, et celui de la VED, voir des avocats intégrés pour la défense des droits humains, tient à saluer les membres de la presse parlée, écrite et télévisée, et à tous ceux et toutes celles qui ont pris part à cet événement, qui ont pour objectif de dénoncer, de protester énergiquement contre le climat de l'insécurité qui ronge le pays en général, et dans la zone métropolitaine en particulier. Caractérisée par des cas d'enlèvement et de séquestration contre rançon, de viols, d'assassinats, et j'en passe. En effet, nous avons en mémoire l'enlèvement spectaculaire de notre éminent professeur et avocat, en l'occurrence, Maître Patrice Doenancourt, à la rue Camo, qui par la suite allait rendre l'âme après avoir reçu une balle lors de son enlèvement.
aussi paradoxal que cela puisse paraître, deux avocats ont été lâchement assassinés à l'intérieur même de leur domicile. Qui l'aurait imaginé? Il s'agit bien de Maître Montferrier Doval, bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, et de Patrick Lolo, respectivement à Pèlerin et en Plaine. Le dernier cas d'assassinat perpétré sur la personne d'un avocat est celui de notre estimable confrère, Maître Fritz Altenor, qui a reçu pas mal de 8 projectiles au volant même de son véhicule, en date du 20 janvier de l'année en cours. Ce crime odieux soulève la conscience de tous les avocats faisant partie des 18 juridictions de la République. Rien d'autre n'est à la base de cette situation lamentable que nous dénonçons, ou encore dénoncée par plus d'un, qui est l'insécurité sévit dans le pays, ou encore conséquemment la libre circulation, empêchant ainsi l'exercice de la profession d'avocat. C'est-à-dire, cela devient de plus en plus difficile et tout ceci se passe en violation totale de la Constitution de 1987 et notamment l'article 19 qui fait l'obligation à l'État de garantir le droit à la vie, à la santé et à l'éducation, au logement et à la sûreté de sa personne. Et j'en passe. Ainsi, et d'autres instruments internationaux signés et ratifiés par l'État haïtien relatifs aux droits de l'homme. Nous nous référons à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et de Pacte jumeau et de tout ce qui précède. Nous voulons rappeler à tout et chacun que la mort d'un homme, c'est la mort de tout homme. La mort d'un avocat est la mort de tous les avocats. La mort des avocats, c'est la mort de tous les avocats. La mort d'un avocat, c'est la mort de tous les avocats. L'assassinat de M. Fritz Altenor est une preuve avérée que la profession d'avocat est de plus en plus menacée. C'en est trop, c'en est assez, un cas de plus, un cas de trop. Encore, un cas de plus, un cas de trop.